Et voilà. Et voilà les gars, nous étions arrivés par là, c'est reparti. Donc là on va rentrer dans une pyramide. Une pyramide qui m'a l'air obscure. Il y a deux gros balourds là. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Non, je peux pas te laisser entrer, va-t'en vite. Bah je fais quoi moi? Ah, on peut pas y aller en attendant là. Bon, il va falloir que j'aille faire quelque chose alors. On va voir. Ah, j'ai une lettre. Eden, c'est Len de l'OMS. Il y a du nouveau. Nous avons besoin de toi, c'est urgent. Viens à l'OMS, à Pyrit, le plus vite possible, s'il te plaît. Voilà ce qu'il faut faire, les gars. On retourne revoir ce gars-là à l'OMS. Et après, on pourra revenir là, je pense. Alors, c'était où ça? C'était là. C'est là-bas, tout au bout du quartier. Enfin, presque, parce que tout au bout du quartier, c'est le... c'est un championnat. Alors... même pas que j'y suis, je sais plus s'ils étaient en bon état ou pas, en bonne santé plutôt, c'est en bon état. Nous revoilà. Alors tu rigoles, la team snatch t'a piqué ton snatcher. Net, tu dois faire quelque chose. Je sais, je fais des recherches. Ça ne s'annonce pas très bien. Il n'y a rien de nouveau sur la Team Snatch. Mais une chose est sûre, il n'a rien à voir avec les agissements du groupe Ombre. La Team Snatch opère seule. Ouais, ok. C'est pour ça qu'il voulait me voir. Eh, je crois que, le mec que je dois voir, c'est l'autre, là. Celui qui est au premier étage. Voilà. Eden, content de te voir, je t'attendais. Tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé à ton bras gauche? Tu n'avais pas de nature avant? Je vois, encore la Team Snatch. Pas étonnant qu'ils aient pris ton Snatcher. Il y a 5 ans, la Team Snatch était de mèche avec le groupe Ombre. Mais quand ils ont perdu le Snatcher, ils ont arrêté d'intéresser le groupe Ombre. Je pensais que la Team Snatch s'était dissoute à l'époque. Ils ont dû apprendre que tu avais un Snatcher et... Oh là là, il faut que j'enquête sur la Team Snatch. Je te tiendrai au courant de nos découvertes. Oh, c'est vrai, j'avais complètement oublié le mail. Une personne qui se serait enfuie de la base du groupe Ombre nous a contactés. Nous avons pensé envoyer une équipe, mais ça pourrait être un piège. Nous n'avons aucune garantie sur ce témoignage. Je n'aime pas te demander ça, mais est-ce que tu pourrais aller te renseigner sur nous, Eden? Pour nous, Julia. Bah oui. Merci, nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi, Eden. L'homme qui nous a contactés s'appelle Volker. Il a dit qu'il se trouvait à la station service. Ah, nous avons un nouveau lieu. Nous comptons sur toi. Nous enquêterons sur la Team Snatch pendant ton absence. Bon bah, on est parti. Donc on va pas aller à la pyramide tout de suite donc. On aille d'abord dans le lieu là. Nouveau lieu.
pour voir un certain monsieur Volker. On va voir Volker. Boulot disco là, j'ai pas le temps, je suis occupé. Tiens, bah il y a les deux zigotos là. Bah, pfiou, qu'est-ce que je me suis empiffré. C'est le premier repas digne de ce nom que je fais depuis longtemps. Ouais, c'est bien beau, Ross, mais est-ce qu'on a raison de vivre comme ça? Je m'inquiète pour l'avenir, tu vois, je songe sérieusement à changer de style de vie. Qu'est-ce que tu radotes encore là, Jafar? Tu n'es pas toi-même. Ne me dis pas que tu as oublié le rêve du patron. Un jour, on aura tous les Pokémon du monde. Eh bien, c'est de ça que je parle. Le blanc. Oh, patron! Oh, il est moche. Je rêve pas, vous parliez de moi, là. Oh, mais on dirait que c'est le petit garçon super énervant qui m'a laissé un goût amer à la Poképlace. Hé, ça tombe à point. En guise d'exercice après le repas, je vais te scotcher sur place avec mes pattes démentielles. Musique. Bah moi, je vais encore lui foutre la plâtrée. Personnage, je vous jure, il m'écœure. Il est pas beau. Je me préfère moi. Hein. Alors, je vais mettre. Bon, là, c'est bon. Morsure. Feinte. Morsure et feinte. Ah, bah, nickel. Ah, mais il reste impéri. Oh là là. Bon, voilà, c'est fini. Fini sur le même. Niveau 39, ça c'est bien. On s'approche des niveaux 40, ça c'est bien ça. Je pense qu'on les entraînera un petit peu avant d'aller à la pyramide. Alors, au moins pour que Noctalie ait le niveau 40, ce serait bien. Avant d'y aller. Comme ça, on sera bien prêt. Plus fort, plus près. Oh, à chaque fois ils vont faire le coup là. Voilà, ça se fait. Putain, mais il a toujours les mêmes Pokémon. Oh, il doit avoir un Pokémon obscur quand même. Obscur, je parle. Ouais. On va essayer de le capturer. Bah, déjà, je vais mettre Camouville. Et après, je m'occupe de l'autre. Ah, Ludicolo. J'aime pas trop ce Pokémon. Oh, ouais, tout ça, il m'a enlevé, là. C'est pas juste, eh, oh. Bon, je vais mettre KO lui, là. J'avais pas vu qu'il avait Ludicolo, là. Voilà, ça, c'est bon.
Wow, wow, wow. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon bah, c'est raté, on l'a pas eu. Ce sera pour une prochaine fois. Ah, je pensais pas que ça allait le mettre KO d'un coup. Une sieste, c'est mieux pour digérer, en fait. En plus d'être pas beau, il est trop bête. Ah, quel affront, mais quel affront! La prochaine fois, je vais te remettre à ta place et t'étaler avec mes somptueux pas de danse. Courage, fuyons! Bah franchement, il est loin de concurrencer Michael Jackson avec ses pas de danse. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Même Claude François, il danse mieux que lui. Voici un flash spécial. Le Carjon Libra a été retrouvé dans le désert au nord de Funacit. On pense que sa surprenante disparition était l'œuvre du groupe Ombre. Personne ne sait comment le Carjon a été transporté dans le désert. On ne connaît rien des motivations du groupe Ombre. Malheureusement, il n'y avait aucune trace sur le bateau des nombreux Pokémon qui étaient à son bord. Nous nous inquiétons pour leur sécurité et leur état de santé. Et ouais, mais bon, comme je vais intervenir. Hein. Je m'appelle Volker. Ah bah le voilà, c'est lui Volker. Tu dois être Eden, non? Ouais, c'est moi. Je suis très content de te rencontrer. J'avais très peur que le groupe Ombre me trouve et moi-même de force. Tu comprends, je me suis enfui du repère Ombre si tu es au nord d'ici. Ah, tu connais cet endroit? Eh bien, vous êtes des rapides à l'ombre. Le repère Ombre est une usine qui produit une masse des Pokémon obscurs. J'étais horrifié quand je l'ai découvert. J'en suis venu à détester ce que je faisais. Je me suis donc échappé. En partant, j'ai réussi à subtiliser un Pokémon. Mais il y avait déjà beaucoup de Pokémon obscurs. Je suis sûr qu'ils en ont produit plus depuis. Ah mais il y a un Togepi, ah bah pourquoi j'ai refusé? J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Oui, je veux bien ton Togepi. Non non, faut déjà y au PC avant. Pourquoi il m'envoie pas sur PC là? Ah, plus vite, il y en a pas là. Oh, il fait faire des détours. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous avons localisé la Team Snatch. Ils utilisent leurs anciennes planques au nord de la station service. Nous ne savons pas combien ils sont. Nous ne savons rien sur leur chef, Elgonza. Fais attention si tu y vas. Dis, tu cherches le repère de la Team Snatch? Ah. Je suis passé à côté en m'enfuyant du repère 11. C'est dans un coin désert. Bon, je vais d'abord machiner pour le Togepi là. Hé, hey, attends. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Salut, je m'appelle Billy. Billy Elliot, ouais. Maintenant, je me rappelle qui tu es, gamin. Tu es celui qui a envoyé promener le groupe Ombre à Funacit, hein? T'es passé à la télé. Écoute, faisons combat, toi et moi. Bah, si tu veux. Ouais, cool. Allez, on va faire ça en bas. Bon bah je ferai pour le Togepi juste après, du coup. Ouais, je suis à bloc, une vraie machine en avant toute. Vroom vroom, c'est parti. Mais il est fou lui, hein. Ils sont tous fous là-dedans. Presque tous. Il y en a quand même qui sont assez lucides. Genre ma maman dans le jeu, le professeur, bref, quelques personnes qui travaillent au labo quoi. Sinon les autres ils sont un peu tous timbrés. Mais... Si à l'ombre aussi là, où il y a net, là ça va là. Bon, les plus tarés, c'est les voleurs Pokémon. Ils croient qu'ils vont dominer le monde avec les Pokémon obscurs. N'importe quoi.
Ça vous plairait, vous, les amis, de... de faire ça, en vrai. Conquérir le monde. Normalement, ce que j'aimerais faire, c'est un voyage autour du monde. Mais pas foutre la zizanie. Alors... Ah, lui, je pense pas qu'il y a de Pokémon obscur. Hein. Morsure Flamèche. Mais il sort de ton trou par contre là. Oh, il m'énerve. Ah, j'ai plus qu'à relire mettre mes attaques. Bon. Après, je vais aller au centre Pokémon parce qu'il y en a grand besoin. J'oublie pas pour le Togepi. Ensuite, on va au nouveau lieu. Et ensuite, on va à la pyramide. J'irai peut-être voir s'il y a un Pokémon obscur qui est prêt, on va voir. Je me suis fait battre. Il faut que je m'aguerrisse. De toute façon, je te battrai toujours, mec. Bon, d'accord, tu es fort. Très fort, gamin. Tu nous as bien écrasés. Tant que tu es dans le coin, Rhode peut dormir tranquille. Ouais, enfin bon, je vais pas toujours être là pour vous sauver la life, hein, parce qu'après je vais faire Harry Potter à la chambre des secrets. Je peux pas être partout. Hein. Donc je devais aller au centre Pokémon. Je vais aller à celui qui est là-bas. Là. Ah mince, ça c'est le chat. Ici. Merci beaucoup. Alors, il faut que je fasse une place pour Togepi. Il m'embête, hein, j'aurais voulu qu'il me mette dans le PC direct. Ouais. Je vais déposer. Moi, ouais, je vais déposer Tanma. Allez hop. J'ai 4 Pokémon obscurs dans la boîte. Donc voilà, j'ai une place de libre. Donc je retourne là pour chercher le Togepi. Ah, ça me fait faire des détours, hein. Oh. Mmh. On va le garder dans l'équipe là. Est-ce que c'est un Togepi obscur, je pense. Donne-le-moi. Merci. Je vais en prendre soin. Et on va aller là. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Eden, j'espère que tu vas bien. Les travaux de rénovation sont terminés et le Colosseum de Titanite rouvre enfin. Nous nous réjouissons par avance de ta visite. Viens affronter nos dresseurs. Ah oui, c'est là où on était l'autre fois là. Oui, bon, on ira là-bas. Hein, je sais pas, est-ce qu'on va là-bas avant d'aller à la pyramide ou après? Je sais pas. On verra bien. Ce sera pour le prochain épisode.
Là, pour l'instant, on a ça à faire. T'es une nouvelle recrue de la Team Snatch, toi? T'es un intrus? Ouais, je suis un intrus. On va voir ça. Ouais, bah, je vais me battre. Ah ouais, donc là, j'ai encore tout ça à faire. Et à la pyramide, ce sera après, donc. Je ferai peut-être le concours avant, alors. Ah, il me semble que c'est interdit au Pokémon obscur, par contre. Ah, j'en suis même sûr. Alors, notre feinte, la mèche. Oui, là, en fait, je l'ai récupéré mon Snatcher. Eh, mais je suis bête, tout à l'heure, je voulais capturer un Pokémon obscur, mais je pouvais pas de toute manière, puisque j'ai pas mon Snatcher. Ah, bah oui, faut s'en rappeler de ça, Eden. Je m'en souvenais plus. Donc ça sert à rien de se démener. Donc là je bats tout le monde. Même les Pokémon obscurs, pas le choix. Alors, go, morsure. Là. Fin. Sur la grosse chauve-souris. Pas qu'à vous. Abzel, il est trop beau ce Pokémon. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi je l'adore. Je le trouve très classe. Alors, bah, par contre, je vais être obligé de le mettre KO. Hein. Ouais, je vais mettre plutôt Morsure là et Flamèche là. Je pense que ce sera plus efficace. Flamèche. J'aimerais bien avoir Lance-Flamme, c'est mieux. Ou surchauffe. Surchauffe, c'est encore mieux que lance-flamme. C'est plus puissant. Il y a point de feu aussi qui est bien. C'est les attaques ultimes. Hein. Là, pour l'instant, je les ai beau. Je remets pareil. Ça va vite là, je suis démolos là ce soir. Il a gagné deux niveaux là, en une soirée. On n'a pas fait beaucoup de combats pour le moment pourtant. C'était un combat difficile. Ah ouais, pour toi, mais pas pour moi. Bon, moi je suis tranquille. Hein. Tu te débrouilles bien avec tes Pokémon, je n'aime pas dire ça, mais tu m'as rétamé. Tu pourrais nous être utile, joins-toi à nous, la Team Snatch. Nous sommes toujours à la recherche de personnes exceptionnelles. Ouais, des personnes exceptionnelles comme moi. Oui, mais non. Non, merci. Parce que moi, je suis pas un taré. Je veux pas des Pokémon. Alors. Bon. Santé Pokémon, ça va à peu près. Mais vu qu'il y a ça là sur mon chemin, autant en profiter. Hop. Ah, un objet. Hyperbole. 3 hyperboules, c'est bien. Ah, et là, hyper potion. Et là, combat, je parie. Ouah, Eden, ton sang, tu es venu récupérer le Snatcher. Eh bah oui, évidemment. Ici je vais mettre des flamèches là. Normalement mystère, c'est sûr que je les d'un coup. Ouais, je m'en doutais. Je l'ai cramé direct.
Mugo d'un coup, ouais, ça c'est bien, je m'y attendais pas. Hein. Ça va être rapide, hein. Donc, Quillfish. Ok. Alors, je vais faire ça et ça. Je m'en doutais que je l'aurais d'un coup, lui aussi. Par contre, celui-là, je suis pas sûr. On va voir. Ouais, il lui reste un PV. Oh, c'est abusé. J'ai presque le niveau 40, ça c'est bien. Mais je pense pas qu'on fera le concours juste après, parce que je crois que c'est... Niveau 40, les Pokémon là-bas. Alors si je peux avoir un peu plus, ce serait bien. On va d'abord s'occuper des méchants, hein. Je trouve que c'est mieux. Et après on fera le concours. Après je me rappelle plus trop comment c'est. Mais... Alors, aïe, ça ne marche pas moins d'endormir l'ennemi. Bah t'as pas mis de poudre dodo alors. J'ai déjà amené le Snatcher au patron, Elgonza est trop fort. Moi c'est ça, tu vas voir ton patron ce que je vais lui faire. Hein. Attendez, est-ce que je peux aller là aussi? Je peux aller là. Et là il y a quoi? Ah, des escaliers aussi. Bon bah je sais pas moi. Non, attendez, je retourne à bord. J'aime pas trop ça quand il y a plusieurs endroits en même temps. Ça m'amène où là? Il y a encore des escaliers. Tu veux un combat toi? Hein? Eh gamin, je t'ai pas déjà vu ailleurs? Un combat encore. Bon après, je sais pas quel escalier prendre, je pense que je vais prendre celles qui sont à côté là. Mais il y avait l'autre aussi, donc c'est bon, on va voir. Faudrait pas que je joue des objets, ce serait ballot. Alors, feinte et flamèche. Je vais cramer Mystère d'un coup. Ouais. Ils aiment bien mettre des chauves-souris ce soir. Hein. Une tortue maintenant. Et voilà pour la chauve-souris. Une de moins. Qu'est-ce qu'il va nous envoyer maintenant? Jolie fleur. Faut que je le crame. Pauvre petite fleur. Hein, même pas KO d'un coup. Je pensais qu'il serait KO d'un coup, moi. Bon bah, je vais le cramer encore un petit peu alors. Et en plus, il me tue de la vie. Et lui, il va me mettre dans le brouillard. Ça va pas m'empêcher de vous mettre KO, les gars. Bon, je vais rester sur feinte et puis flamèche. Pas changer. En fait les gars, pour info, tous les codes amis que j'ai sur tous mes jeux Pokémon, et ben je les ferai partager avec vous, comme ça vous pourrez me demander. Comme ça on fera un échange de codes d'amis, si vous êtes intéressé. Je ferai un article là-dessus, si j'y pense, sur mon blog je pense, et sur Facebook.
tu es sûr qu'on s'est pas déjà rencontré? Bah je sais pas, vous avez tous la même tête là, vous avez tous la même coiffure avec votre casque et tout là. Ah, ça me revient, tu étais sur le Libra quand je suis allé récupérer le Snatcher. Ok, j'ai compris, c'est pas la peine de perdre mon temps, c'était toi le gamin de l'autre fois, j'ai pigé. Ah mais c'est que maintenant qu'il s'en rappelle. Ah, on est arrivé, on prendra les autres escaliers tout à l'heure alors. Ce Snatcher que tu as récupéré, t'es sûr qu'il fonctionne? Il est trop petit, c'est nul. Je dois faire comment pour l'adapter à mon bras? Bah, je sais pas, tu t'en sers comme ceinture, je sais pas, t'es con. Mais c'est pas la machine qui est trop petite, c'est ton bras qui est trop gros, Elgonza. Oh, comment il a sorti ça, lui, à son chef, ça se dit pas. Ouais. J'arrête de jacasser. M'apporter un truc aussi inutile que... Quoi? C'est qui, ce gamin? Ouais, c'est Eden. Hé, hey, gamin, malheur! Tu es là pour le Snatcher? Ouais, c'est mon appareil à moi, les gars. Tu as réussi à arriver jusqu'ici, mais nous ne sommes pas prêts de te laisser partir avec. Abandonne, gamin. Bah, c'est eux qui m'ont abandonné. Hein. Vous pleurez. Il va encore tomber par terre. Ah, c'est le Hortide qui m'avait endormi, là. L'autre fois. J'ai cramé, là. Alors, fin. Et flammé. J'ai 5 Pokémon à battre, à ce que je vois. Ça va aller vite. Hein. Avec moi. Ça va vite. Vu que j'ai au moins une dizaine de niveaux de plus déjà, j'ai l'avantage. Ah ça c'est pas très efficace pour moi. Alors... Après je pouvais pas savoir qu'il allait mettre un démentant. Hein. Qu'est-ce que je vais mettre poursuite? Ce sera peut-être plus efficace, on verra. Il a flammé. Ça me rappelle Erika, la championne d'arène dans Pokémon la saison 1, la série télé. C'est vieux tout ça. Hein. J'ai moitié envie de me refaire toute la première saison et tout. Ça me manque, je suis nostalgique. Enfin, j'ai pas trop le temps de regarder ça en ce moment. Je regarde plutôt des séries où rien à voir. Bon, des mentales et résistants. Hein. Fait deux attaques déjà. Oh, wow, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, bah, je continue là-dessus. Ah, il y a le niveau 31, les ailes l'autre là. Ça rigole plus. Hein. Ouais, je retournerai à la machine pour soigner les Pokémon après. Faut que je pense aux escaliers aussi que j'ai pas pris tout à l'heure. Parce que je suis sûr qu'il y a des choses. Au moins une chose à prendre. Alors, on continue. Pourquoi il a pas mis Flamèche là? Bon, je vais mettre fin. Ah oui, puis il est confus en plus. Oh non! Soyez pas confus les gars là, j'ai plus qu'une barre sur ma caméra. Oh, c'est rouge. C'est que pour le moment je commence par faire les let's play en filmant la télé, donc c'est pas forcément très... Enfin, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Niveau qualité, tout ça. Après, avec la Switch, ce sera mieux parce que je ferai les captures d'écran du jeu et tout, ce sera mieux. Plein de jeux sur la Switch. Hmm.
parce que là, faut que je me rachète une boîte d'acquisition, parce que là, j'en avais une, mais elle marche pas. Je crois bien que je me suis fait arnaquer. En fait, c'est une boîte qui est assez ancienne. Je pensais que ça marchait, moi, c'était sur Amazon et tout ça, mais en fait, ça marche pas du tout. On a essayé avec Jordan, on n'a pas réussi. Donc, comme il s'en est acheté une pour lui, une les gâteaux là, ben si ça marche avec son appareil, ben, j'achèterai le même que lui. Du coup, là on a un gros problème là-dessus là. Eh oui, il va se calmer lui. Eh la petite vache là. T'es calme. Allez, attaquez, attaquez. Si j'ai le patron à battre juste après, mais voilà. Faut que je soigne mes Pokémon. Niveau 40, ça c'est fait. Démolo aussi, il a presque le niveau 40 aussi, ça c'est cool. Essayer de t'avoir tête baissée n'était pas une bonne idée. Pff, il est fou lui. Oh, il est pas mal, assez impressionnant si je puis dire. Écoute gamin, joins-toi à nous et on va écraser le groupe Ombre ensemble. Si on attrape tous les Pokémon Oscar avec ce Snatcher, il n'y aura plus de groupe Ombre. Alors la Team Snatch prendra les rênes. Non merci, je veux pas. Très bien, tu as l'intention de récupérer Snatcher à tout prix. Parfait, tu pourras récupérer Snatcher, mais seulement si tu arrives à me battre. Ah, oh, il fait exprès ou quoi? Les gars, je sais pas si je vais réussir à filmer tout le combat, parce qu'il me reste plus qu'une barre. Ça peut s'arrêter à tout moment. Ah, puis il aurait fallu que je soigne les Pokémon et tout là, c'est quoi ce bordel? On est mal là. Hein. Oh oui, il va se mêler. Moi j'ai des rappels de toute façon, au pire je les utiliserai. Hein. Ah là, je vais vite là parce que je rappelle que la caméra s'éteigne, c'est embêtant. Il va sinon ça va, je vais avoir une petite partie en moins. Moi de toute façon hein, vous savez hein, je vais le battre hein. Bon, je vais mettre un rappel pour Demolos. On va récupérer ce Snatcher. Moi je vais le cramer lui. Ah bah non, Demolos. Je remets un rappel sur Demolos. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Non, ça serait bien que je le fasse quand même. Ouais, on va faire ça. Hop. Ah, c'est pas obligé que je voulais. Si, c'est obligé que je voulais. Oh, n'importe quoi. Rappel. Demolos. Voilà.
Bon, pour l'instant, je continue d'attaquer avec lui. Ouais, je vais mettre des molosses après. Là. Ah, j'ai mis. Vous pouvez pas mettre Ultra Laser sur mon autre Pokémon, quoi. Oh non, ça c'est pas cool. Hein. Ah, vous êtes pas cool. Après ce combat là, je vais sauvegarder et on se rejoindra au prochain épisode. Il me restera les escaliers à prendre, bien sûr, il faudra pas que j'oublie. Si j'oublie, bah tant pis, hein, vous le mettrez dans les commentaires. Alors, hop, feinte. Et un sous noir. Ah merde, c'est vrai, il gueule. Je vais mettre des molosses après. Bon bah là, à partir de là, je vais mettre des molosses. Go. Barbichat, ça me fait penser à Pokémon Donjon Mystère. Le premier Donjon Mystère. Et je trouve que Donjon Mystère, c'est un super bon jeu. Surtout le premier en tout cas. Après, un peu moins, je trouve. Les deux premiers, c'est les meilleurs, je trouve. C'est sur la DS. C'est assez ancien maintenant quand même. Bon, allez. Vite, faut que tu sauvegardes, les gars. Termine le combat. Il ne reste plus que 40 secondes d'enregistrement en plus. Et après je peux plus. Alors. Moi bon, j'ai plus que Barbusha à mettre KO, hein, puis je sauvegarde et on se rejoint au prochain épisode. Ah bah il y a Hermure aussi. Oh, je l'avais pas vu lui. Ouais, 6 secondes. Bon les gars, on va se retrouver au prochain épisode. Je vais finir ça et je vais sauvegarder juste après. Donc là il m'a mis KO ce con. Ah, j'ai réussi à tuer 19 secondes de plus là sur ma caméra. Ouf. Bah vous verrez pas la fin du combat, hein, donc c'est pas très grave, hein, de sauvegarder. C'est bon, je l'ai eu.